commandé. Je fais maintenant les tirages au sort directement en vidéo pour le booster Frontières Franchies. Là, on voit bien ici participants 455. Et sur ma vidéo, il y a bien 455 commentaires. Donc c'est parti, bonne chance. 4, 3, 2, 1. Et le grand gagnant du concours, les amis, c'est Vince A. Bonne vidéo et bon courage pour les prochains concours. Sacré ancien Dieu Cloud, les amis, c'est Kimiki, votre buff préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Les amis, le coffret Evoli Radio, regardez-moi cette folie. Je viens juste de le dénicher. Pourtant, ce coffret sort dans plus de un mois. J'ai réussi à l'avoir. Je vais vous expliquer comment j'ai fait dans cette vidéo. Mais avant de commencer, les amis, Kimiki vous offre un des boosters de sa série préférée, Duo Choc. Ce petit booster ronflex, je pourrais vous le dédicacer si vous avez envie. Bon, si vous en foutez, vous me dites, hein, voilà, si tu gagnes, tu veux pas la dédicace, tu me dis. Et du coup, pour participer, c'est très simple, t'as juste à t'abonner, mettre un petit commentaire et un petit like. Je fais les tirages au sort directement dans les vidéos. Pour ce booster Duo Choc, vu que je suis en vacances et que les vidéos sont un petit peu décalées, je sais pas encore, mais vous inquiétez pas, normalement, d'ici une semaine, il y aura le tirage au sort, donc suivez bien les vidéos. Vous en faites surtout pas, il y a eu le tirage au sort normalement sur cette vidéo. Bon, sur ce les gars, on va parler de ce magnifique coffret Evoli Radieux. Il est magnifique et franchement, j'ai la flemme de l'ouvrir aujourd'hui, mais j'ai obligé les gars, je vais vous l'ouvrir en avant-première. C'est un coffret en France les gars qui va sortir donc en juillet, hein, le 31 juillet si j'ai pas de bêtises. On l'aura normalement disponible chez Carrew sur ma boutique. Alors, c'est pas encore sûr, hein, je suis pas encore sûr de l'avoir. C'est peut-être une exclusivité pour les enseignes, je crois même que c'est une exclusivité pour les enseignes, donc je suis pas sûr de pouvoir l'avoir. Mais en tout cas les gars, c'est un coffret qui est magnifique, peut-être le coffret premium le plus joli qui est sorti. Pour l'avoir les frères, en fait, c'est la Suisse. Ouais, nos amis suisses, ils les ont reçus avant. Je sais pas pourquoi, je comprends rien. Dans ce, c'est n'importe quoi. Donc les Suisses, ils ont réussi à l'avoir avant nous, mais vraiment très longtemps avant nous. Et bah du coup, j'ai acheté sur Vinted. Voilà, il y a pas eu de ouais, je suis allé sur Vinted, je me suis fait détruire. J'ai payé grave cher, mais je me suis dit allez, c'est pas grave, je leur fais plaisir, je sais qu'ils ont envie de voir une ouverture. Je fais partie des premiers en français à vous ouvrir ça. Je me suis dit bon allez, on va dépenser un petit peu. Vaut mieux pas que vous ayez connaissance de combien j'ai payé parce que je vous jure, ça m'a fait mal. Voilà les gars, donc on va découvrir un petit peu ce coffret. Oh, attendez, je suis obligé de monter un peu la cam. Je monte un peu la cam pour vous, mais c'est une dinguerie. Le coffret est tout simplement trop beau. On a un tapis exclusif qui est à l'intérieur, le petit pins Evoli qui va ravir tous les fans de la licence et notamment des Evoli. On a un tapis aussi et il est balèze le coffret. Sincèrement, je trouve que le coffret est plus joli que les coffrets qu'on a eu de célébration. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire c'est bizarre, mais en vidéo on ne dirait pas, mais il est quali. Genre franchement, il est super bien quali. D'ailleurs, big up au vendeur sur Vinted qui franchement m'a très bien emballé ça. Hein, franchement, super beau. Regardez, en fait, on a plein de petits silvering, je sais pas comment ça s'appelle ça, on l'a aussi sur nos cartes de visite d'ailleurs, c'est du petit silvering ici, genre vraiment cool, c'est trop cool au toucher, même ici on l'a sur le petit Evoli, là on a l'impression que c'est un petit peu en 3D, je sais pas si vous pouvez voir, franchement c'est un banger, je suis trop heureux de pouvoir vous ouvrir ça. Bon écoutez, on va s'ouvrir ça tranquillement et on va découvrir un peu le contenu, je suis trop pressé, je suis trop hype, dites-moi dans les commentaires si vous êtes content de cette petite ouverture, et bah on va se faire ça, c'est parti la grande famille. Je suis pressé. Là, franchement, là, c'est un Kimiki qui était pressé. J'attends ce coffret depuis longtemps. Enfin, je l'ai déchiqueté. Je vais en racheter un, les gars, pour ma collection personnelle. Je vais le garder scellé. Enfin, je vous conseillerais quand même, les gars, de le garder scellé, ce coffret. C'est un coffret qui va pas être si facile que ça à trouver. On essaiera de le choper en magasin un peu plus tard. Et on va commencer déjà avec... Il y a un tapis. Oh, il y a un tapis avec. Attendez, on va... Oh, il a l'air trop beau. Bon, franchement... Bon, les tapis Carrew sont mieux imprimés, hein, je vais vous dire la vérité, les tapis de ma boutique sont mieux imprimés, mais c'est trop cool. Non, franchement, c'est trop cool, je le trouve très beau. Si vous êtes fan de la licence, si vous aimez Evoli, cet Evoli radieux est sincèrement très beau. Vous savez quoi, on va ouvrir dessus. Ah, écoutez, on va ouvrir dessus, c'est normal. Hop. Voilà, j'aime bien, je le trouve trop beau, ce petit Evoli. J'aime bien. Il est très joli, je pense que ça va en ravir plus d'un. Très beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coffret? On va avoir, les gars, la petite carte promo d'Evoli Radio que je vais m'empresser de sliver tout de suite. Oh là 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 là, c'est banger ce coffret. Franchement, vous avez fait une véritable folie, Poké Company. Sincèrement, je suis agréablement surpris par la qualité de ce coffret, le Evoli Radio, qui a du silvering en haut. Ça, je pourrais pas aller le faire grader, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Excusez-moi. Et ensuite, on a 8 boosters. Ce coffret sera normalement aux alentours des 65 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est un peu plus cher qu'une ETB. Après, je trouve personnellement que si vous avez juste envie d'ouvrir les boosters
bah, le TB sera mieux. Si par contre vous êtes un fan de Evoli et que vous voulez absolument la carte Evoli radieuse, tout va dépendre un peu de sa cote, mais si la carte cote un petit peu, on va dire 5-10 euros, ça peut être intéressant de trouver ce prix en retail. Après, je pense que le plus important pour ce coffret, c'est, je pense, de garder scellé et au pire d'acheter le tapis à part. Voilà, je pense que c'est le mieux à faire parce que le coffret scellé est sincèrement, je trouve, magique et même sublime. C'est un coffret qui, franchement, dans quelques années, vous allez être content de l'avoir. Croyez-moi sur parole, très content de Poké Company, je trouve trop beau. Mon ami Otomoléo, si tu regardes cette vidéo, je t'envoie plein d'amour. Je sais que ta fille doit être trop contente qui est fan de Evoli, donc je leur envoie un big up qui, je pense, vont être bien contents. Allez, on va s'ouvrir les boosters Pokémon Go. J'espère que ça va nous porter chance. Comment ça va en tout cas la famille? Il m'est arrivé plein de choses, hein, vous avez vu, hein, entre les différents scams, etc. qui m'est arrivé ces derniers temps, c'est un truc de fou. Et je tenais sincèrement à vous remercier parce que bah, ces derniers temps, c'est quand même un truc de fou ce qui se passe sur la chaîne Pokémon. Votre amour et tous les commentaires, les abonnements que je reçois, c'est vraiment assez fou. Beaucoup de drama aussi, hein, forcément. Mais c'est toujours un plaisir fou en fait de vous voir et de passer des bons moments avec vous. Donc je tenais quand même à vous remercier parce que vous me donnez une force qui est quand même singulière et assez folle. Magikarp, allez, on espère avoir quand même des bangers aujourd'hui. Le Magikarp ici. Et pour la première carte, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Et Florizarre de Pokémon Go. Petite carte sympa, bon j'arrête pas de la voir. J'espère que dans ces 8 boosters on va avoir un petit banger. Ça serait quand même vachement fou. Allez, on continue la grande mif avec le deuxième petit booster. 8 boosters pour rentrer dans la légende. Je vous avoue. Bon allez, je vous dis la vérité, au total j'ai presque payé 100 euros hein, pour le coffret. Je me suis fait... En fait, je l'ai payé 85 et après, il y a eu les frais de livraison et tout. Et franchement, je vous conseille pas de faire ce que j'ai fait. N'oubliez pas quand même que Pokémon, ça reste mon travail et que c'est pour ça que je l'ai payé aussi cher. Surtout, ne faites pas cette bêtise. Vous allez pouvoir le trouver en magasin. Ne dépassez pas les limites sur ce coffret. Et je pense que si en plus ce coffret serait sorti hors période d'été, c'est un coffret qui serait revendu directement à 110, 120 euros. Jusque là, bah, les gens ont un petit peu moins d'argent. C'est normal et ça se comprend vu la crise qu'on vit en ce moment. Derrière, les amis, on va avoir le capitaine des Kikandela. Allez, on veut pas une clim, on veut quelque chose. On veut envoyer quelque chose ici. Et le Pikachu de Pokémon Go que j'ai en je sais pas combien de fois, mais ça reste sympa. Bon, Evoli, t'es pas en train de me porter chance là. Allez, Evoli Radio, donne-moi un petit peu de chakra. J'ai besoin de ton chakra, Evoli. Allez, troisième petit booster. C'est parti, mon kiki. Troisième petit booster, mon frérot. Tac, le petit code. On envoie ça. 1, 2, 3, 4. C'est parti pour le troisième petit booster. On va envoyer ça avec une petite énergie. Le Steelix. On veut envoyer du banger. Xatu. Flyados. Allez, les frérots. Mimigal. J'ai l'impression, les gars, on a quelque chose. Je suis en train de le voir. Sauf Kipou. D'ailleurs, on va voir le Poichijon. Bulbizarre. Les amis, je sens quelque chose. C'est un métamorphe qui tombe ici. Encore un métamorphe pour votre boss préféré. J'en ai beaucoup des métamorphes. On va avoir quelque chose ici. Je le sens. Oui, c'est une carte des stars. Soit Dracolos. Soit Mewtwo. Mon frérot, donne-moi un autre Dracolos, s'il te plaît. J'ai déjà eu Mewtwo. Allez, s'il te plaît, envoie-nous un petit peu du banger. Et ce sera encore une fois Mewtwo V-Star. Ok, massive hit pour ce Mewtwo V-Star. Bon, je l'ai déjà en plein de fois, hein, je vais pas vous mentir. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par mon petit Mewtwo V-Star, je vous l'échange. Non, je rigole, je vais vous le donner. Je vous donne beaucoup de choses quand même, mais bon, c'est normal, c'est de vous remercier un maximum. Donc ouais, le Mewtwo V-Star, je le mettrai dans la boîte à cadeaux, hein. Ouais, on va le mettre dans la boîte à cadeaux pour ceux qui participent au Box Break sur la boutique Karyou.fr. Je vous mettrai mon petit Mewtwo V-Star, j'espère que ça vous plaît, que ça vous fait plaisir surtout, hein. Il y en a qui se posent des questions, qui se disent, mais Kibiki, pourquoi tu donnes autant de choses aux gens? Bah, je sais pas en fait, c'est vous m'avez mis dans ce délire-là. En fait, au début, quand on faisait des box breaks, les gens, quand ils n'avaient pas de chance, je leur donnais des cartes de ma collection personnelle. Et puis après, les gens, ils ont commencé à me donner plein de cartes pour la boîte à cadeaux. D'ailleurs, si vous avez envie de nous envoyer des cartes pour les donner ensuite aux gens de la communauté, n'hésitez surtout pas. Et après, c'est rentré dans ce délire-là, et j'ai essayé de pousser le truc au maximum. Et donc, bah, vu que la chaîne, elle marche de mieux en mieux, je me dis, c'est la plus belle des choses de pouvoir offrir. Si un jour, les gars, que ça marche plus, bah écoutez, j'offrirai moins, c'est pas grave. Air bizarre, mais pour l'instant, vaut mieux pas se plaindre, on offre des trucs gratuits, c'est cool. Carabaf. Evoli, Pikachu, Mimigal, dites-vous quand même qu'on a offert un booster Team Rocket. Bon, c'était grâce à Otomoléo, c'est sûr, mais un booster à presque 500 euros qu'on a donné comme ça, hein. C'est fou, hein. Encore merci. Aujourd'hui, je sais pas, je suis vraiment de bonne humeur grâce à vous. C'est un truc de fou. Allez, est-ce que cette bonne humeur va me permettre d'avoir autre chose que des cartes que j'ai déjà? Samouraï, bon, pour l'instant, c'est pas non plus la grande fiesta sur cette ouverture. Combien de boosters il nous reste? On a déjà fait la moitié, seulement un Mewtwo V-Star. Sur 100 euros d'acheter, c'est pas non plus la grande folie. Bon, au moins, j'ai mon petit tapis, mon petit évolier radieux. Mais on aimerait avoir un petit peu plus. C'est parti, la famille, on y va. Après, je peux peut-être aller faire grader mon Mewtwo V-Star. Ça peut être aussi une bonne idée.
Souhaitez-moi bonne chance, j'ai besoin de votre force, j'ai besoin de votre amour, j'ai besoin d'envoyer du hit comme j'en ai jamais envoyé. On y va la grande famille, c'est parti avec l'énergie. Exactu, on veut quelque chose, on veut envoyer Flagados, le super bonbon, donne-moi un petit peu plus de bonbon. Ratatak, donne-moi un peu plus de bonbon. Colombo, Ambrilex, Capidextre, Ramolos, oui t'es en train de me ramollir Ramolos. Ici on aura Infect. It's time, showtime. Non, Articode, hein. C'est pas la grande fiesta, hein. C'est pas la grande fiesta, c'est vraiment pas la grande fiesta pour l'instant. Articode, hein. Bon. Trois boosters pour peut-être rentrer dans la légende, mais pour l'instant, c'est Kibiki qui rentre plutôt au bercail, qui rentre au chômage, les amis. Allez, encore un petit code, trois petits boosters. J'aimerais bien, bon je sais que je vais pas avoir une alternative hein, vu la chance que j'ai, surtout que j'ai déjà eu deux fois le Mewtwo en box break. Mais j'aimerais voilà un petit Dracaufeu radieux, une petite carte radieuse. J'ai pas eu de radieux depuis le début de mes ouvertures et j'ai ouvert quand même beaucoup de boosters Pokémon Go. Donc Kibiki Klim comme d'habitude en ce moment. J'ai vraiment ouvert beaucoup de Pokémon Go, je vous l'avoue. Capidextre, Ramolos, Onyx, Reptincelle, Carpaf, Mewtwo, t'es cru. Terra Harmonica ou Carnage, tape là, ouais! Et voilà, c'est fini! Attrapez-le tous ces Pokémon! C'est la clim! J'en ai marre! J'en ai ras le bol! Bon, les amis, j'ai regardé un petit peu ma montre parce que je viens de recevoir une notif de l'enquête du monde. Ouais, je sais, on s'en fout. Avant-dernier booster! Evoli Radio, là, tu nous as pas porté chance! J'ai besoin d'un peu plus d'amour, s'il te plaît! J'ai besoin d'amour! Ouais, c'est la chansonnette, de Kibiki, votre bœuf. On y va. Allez. S'il vous plaît, donnez-moi quelque chose. Même des cartes V, on n'a pas eu. Peut-être que je suis mauvaise langue et la carte V va tomber maintenant. Oui, regardez, ça se voit en haut là. Regardez, vous avez vu, c'est un petit peu noir. La carte V va tomber maintenant. On espère avoir une grosse carte V, une petite Alternate, une petite V-Star, ça serait cool. Kenotor, Meltan, un petit Dracolos, pourquoi pas aussi. Capuma, Magikarp, Pikachu, allez. Les gars, c'est une alternate. S'il te plaît, pas Betocar. C'est le moment de tout casser, les amis. Mettez-moi un maximum de fire, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre amour, j'ai besoin de force. Il faut casser cette clim. Pour votre meuf préférée. Est-ce que ça peut être une foularde? Non, c'est pas une foularde, parce que ici, on a le noir ici. Donc ça veut dire que dans tous les cas, normalement, c'est un Pokémon. Ça peut être une foularde de base, ça peut être une alternate. Normalement, c'est une bonne carte. S'il te plaît, pas Betocar. C'est bon, je l'ai trop de fois Betocar. S'il te plaît. Je suis stressé. J'y crois! J'ai fait quoi de mal, Poké Company? Mais je vous ai juste un petit peu insulté. Je vous jure, j'ai rien fait. Mais non, mais sérieux, Poké Company, je vous jure, j'ai pas fait grand chose. De temps en temps, je faisais des blagues, c'est vrai. Mais pourquoi vous me punissez comme ça? C'est pas bien. Les gars. Aïe, j'en ai ras le bol. Betocar, Melmetar, j'en ai marre. Entre Betocar et Melmetar. Aïe, arrêtez de me faire des faux espoirs comme ça là, Poké Company. Bon, allez, dernier booster. Bon, après, je vais pas me plaindre quand même. Une full art, un petit Mewtwo V-Star. J'ai envie d'aller ouvrir hein, mon prochain coffret. Ouais. Allez, on y va, dernier petit booster. Voilà, le dernier booster, il sent pas très bon. Petit code pour vous. 1, 2, 3. Oh là là, petit code. Bon, des fois, les codes, ça peut annoncer du bien. Dernier booster. En fait, les gars, je me spoil en regardant en bas, là. Je suis désolé, mais ça spoil trop. Hein. Il y a trop de spoil maintenant sur Pokémon. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un peu relou, hein. Ouais, j'attends votre avis dans les commentaires. Mais c'est vrai que c'est un petit peu relou, parce que je sais plus ou moins... Encore métamorphe. Moi, je vais vendre des métamorphes hein, sur ma boutique, les gars. Bon allez, on va se dépiler ça, histoire de terminer la vidéo sur un petit métamorphe. Let's go! Bon, deux petits métamorphes quand même. Bon, ouverture sympa.
Ça fait un peu mal quand même. Bon, je jette les stickers. Ça fait quand même un petit peu mal. Bon, j'ai encore quelques petits coffrets Pokémon Go à ouvrir. Je pense qu'on va continuer à ouvrir du Pokémon Go. C'est pas aujourd'hui que je vais avoir l'alternate. En tout cas... Hop là, on change rapidement de caméra. J'espère les amis que cette vidéo vous a plu. Personnellement les gars, j'ai kiffé, ce coffret est quand même somptueux. Je vous déconseillerais quand même de l'ouvrir, acheter le tapis autre part à l'unité si vous aimez bien le tapis et la petite carte radieuse. Après, si vous le trouvez aux alentours des 60€, vous pouvez vous faire plaisir et l'ouvrir en famille. Je pense que vous allez bien kiffer. Entre ça et le TB, on est bien servi sur Pokémon Go. Faites-vous plaisir, je sais que c'est, en plus c'est assez cher quand même comme coffret, mais voilà, je pense sincèrement que le garder scellé aura une meilleure valeur dans votre collection. À vous de choisir, et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez, est-ce que vous allez l'ouvrir ou l'acheter. J'aurais bien voulu vous en offrir un, mais j'en ai pas, donc je peux pas. Allez, sur ce, c'était Kimiki, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Prenez soin de vous et des bisous.